y a un gynécologue. Donc, dans cas ça là, nous parlons de premier alors première raison qui est capable d'expliquer que moun nan gen problème pour le fait, si moun nan nan question facteur d'âge là. Eh bien, deuxième magala, c'est des troubles ovariens. Là, nous parlons de troubles ovariens, yo, qui ça y est, c'est ça nous relo de moun qui gen de problèmes, y est ça nous relo en cycle, eh bien, anovulatoire ou encore yon cycle disovulatoire. C'est-à-dire, c'est un moun qui gen difficulté pour li ovuler. Donc, dans le trouble d'ovulation, hein, qui fait partie de ça, nous, eh bien, dans le trouble eh bien, ovarien, ça veut dire des causes qui sont liées directement à l'ovaire, qu'on a des filles qui gagnent des ovaires micropolykystiques. Là, nous parlons de ovaires micropolykystiques. Bon, dans le temps, dans le cas-là, mon endo consacré, il y a un kyste dans l'ovaire. Eh bien, ça a vint fait que l'ovaire n'a pas en fonction Jean l'état doué. Et c'est ça qui prend vint fait que fille-là n'est pas ovulée. Ou prend le voir que c'est des mounes qui ont gagné 4-5 mois, mounes n'ont pas gagné réglé. Et si vous n'avez pas gagné réglé, en quelque sorte, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, c'est lorsque fille-là a gagné réglé chaque mois. OK, les ça ou capable prétendre que eh bien moun sa son moun qui ovulé. Mais si li gagne des kystes au niveau des ovaires, ça n'est le syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est-à-dire que nous rencontrons le plus souvent dans intervalle de 20 à 30 ans. OK, pas oublier moi dis comme ça que dans intervalle ça, c'est le ça moun nan eh bien li prêt li et possibilité pour li tomber enceinte là, li au maximum. Maintenant, gon l'autre problème que moun nan kon gen, c'est ça nous relo nan trouble ovarien yo, insuffisance ovarienne. Insuffisance ovarienne nan, c'est-à-dire que ovaire yo pas en fonction normalement, yo pas capable produire ça nous relé yon follicule dominant pour permettre que moun sa li même li ovule. Le plus souvent, moun sa kon pa gen réglé. OK? Et c'est des problèmes qui liés à quand Mounza qui vient tomber dans l'insuffisance ovarienne, elle est capable d'origine depuis le Mounza t'a rentré à la puberté et que problème ça lui-même lui existait. La caïmona, ça c'est, il fait partie de ça nous relo de troubles ovariens. Troisième cause là, c'est ça nous relo les troubles hormonaux. C'est de quoi filer à une série de substances que le sécréter, eh bien, substances ça yo qu'on des fois à l'excès. Ou bien, il y a des fois, il diminue. Maintenant, surtout, il y a un hormone qui est la prolactine, que le cerveau a lui-même sécrété. Nous allons voir que les gens qui ont un excès en prolactine, eh bien, il fait que les gens tombent dans le tableau de fertilité. Sauf si c'est la femme qui allait. C'est-à-dire, une fille qui a accouché, qui a baillé mon tété, c'est normal que pour taux de prolactine, il est élevé. Mais il y a un monde qui n'est pas enceinte, qui a un taux de prolactine élevé, il peut tomber dans le tableau d'infertilité. Ce n'est pas seulement le monde qui a un taux de prolactine élevé, qu'on a des médicaments que nous prescrit et maladies, surtout aux femmes, mesdames, ça qu'on fait que le monde a un problème. Ça. Par exemple, les antipsychotiques, les antidépresseurs, ce sont une série de médicaments que nous connons bay moun yo qui fait que moun za vinn gen les troubles hormonaux. Tant coup par exemple et mesdames yo qui souffrent des ovaires micropolykystiques et que nous placer moun sous sanrelo des pilules estroprogestatifs surtout estrogène là yo et bien ça va vinn fait que moun za vinn gen difficulté pour les tomber enceinte, les tomber dans tableau de fertilité. Gen là dans tout qui souffrit de sanrelo des insuffisances rénales chroniques. C'est-à-dire, moun ki gen problème nan rein, ça pral vin jouer sous processus hormonal la kaifia, pral vin fait que moun sa li tombe nan tableau sanrelo la, nan trouble eh bien hormonal la yo. Maintenant, gagnez tout sanrelo de problèmes que moun nan capable vin joine nan question nan trouble hormonal la, tant kou yon moun ki gen sacrelo yon tumeur au niveau du cerveau, surtout au niveau de la selle thyroïdienne, OK, nan hypophyse la, li pral fait que moun sa li gen yon hyperprolactinémie. Là nous parlait de hyperprolactinémie, hein? Donc là nous doser li kon arrivé à 100 nanogrammes par décilitre, donc c'est ça qui pral fait que nous pral penser que moun sa li gen yon problème. Et moi toujours rappelé de plusieurs cas, moi je viens de concerner la clinique là, de monde qui souffrit de céphalée intense. Moun sa gon tête fait mal, pas gen aucun médicament ko bali qui capable fait tête fait mal ça passer. Maintenant, et puis gen de moun tout qui gen sous forme de crise, de maux de tête et que les ça faut ou soumet
pour lier li avec question de fertilité hein, et que moun sa tombe dans tableau d'infertilité. Les nous doser taux de prolactine dans comme ça, nous toujours mandé moun sa yon MRI qui c'est yon examen par résonance magnétique qui pral permettre que nous fait diagnostic de tumeur ça qui dans cerveau moun sa. Et les nous joindre ni donc ce n'est que une intervention chirurgicale qui supposée faite pour enlever tumeur là et puis tout de suite moun nan pral gen possibilité pour le gen ti moun. Par exemple, yon nan dernier cas, moi songe que moi traité comme ça dans clinique là un moun qui te gen tumeur ça et que on te voyait li Cuba, la l'opérer et après 9 mois fille enceinte qu'on y a là le un petit garçon là même l'a psouqué dans kay là. Ça veut dire que ça c'est yon problème moun za te gen problème, il gen tête fait mal là. Sans arrêter tête y a fait le mal. On ça j'aime même dire là, yon céphalée intense. OK? Et pour joindre élément ça, nous mandé moun za des fois pour le faire un scanner cérébral et la presse scanner cérébral là, ou pas joindre que c'est une tumeur que moun nan te gen dans tête qui fait tête t'a fait mal comme ça et qui entraîne une hyperprolactinémie et hyperprolactinémie ça pral ba un désordre hormonal dans corps moun za et pral vinn faire que moun za fi a pas capable enceinte, li pas capable faire ti moun. Excusez-nous. Donc quatrième cause là, c'est ça nous relo endométriose. Endométriose là, c'est qui ça lié? C'est la présence de tissus eh bien endométrial et quelque part d'autres. OK? C'est-à-dire que yon fille qui gagne réglé, moi te saute dire que c'est desquamation endomètre là qui fait que fille la gagne réglé. Dans cas d'endométriose là, c'est que gagne quelque part d'autres, par exemple sur les ovaires au niveau des trompes ou bien dans corps matrice là, la présence eh bien de tissus endométrial ça. Et c'est ça que peut faire fille là, li gagne réglé tout dans période côté que il gagne règle en dedans matrice là, il gagne flux menstruel là, côté gagne mosso tissu endométrial ça, si c'est sous ovaire yo, il gagne règle sous ovaire là tout. Si c'est au niveau trompe plan, il gagne règle dans trompe plan tout, c'est ça qui fait mon gagne des fortes douleurs. C'est-à-dire que sécrétion ça sans ça qui pral mélanger avec liquide et péritonéal là yo, et bien pral vinn faire pral irriter péritoine là, mon ça pral gagne des fortes douleurs. Et c'est une des premières causes de gros douleurs qui gagne la caifia. Les filles là, eh bien, les gains réglés. Donc, quand gain des fois, moi, j'aime expliquer question endométriose là, gain des filles qui prend habitude, yo fait, n'a fait sexe avec règle, eh bien, l'offre sexe avec règle là, gain possibilité pour gagner déplacement des morceaux de tissu, eh bien, qui sortit en dedans matrice là, qui allait n'importe où. OK, avec des vagues de pression hein. Donc ça capable faire gagner un déplacement des morceaux de tissu qui à l'entraîner de problèmes graves qui capable vienne faire que ou te gagne ti moun dans type d'infertilité secondaire là ou te gagne ti moun dans un premier temps et puis ou vienne que ou pas capable enceinte ou vienne gagne règles avec de fortes douleurs et que qui s'allier c'est parce que ou pas de ca font titane pour quitter 5 jours à passer pour règle la fini. Et nous toujours dit moun yo si règle c'est 5 jours le fait pour faire sexe ou quitter 2 jours et passer après. Donc, c'est le septième jour des règles, les ça au capable de faire sexe pour les gens qui ont un cycle menstruel de 5 jours. Donc, ça veut dire que des vagues de pression qui gagnent lorsque on fait sexe là, capable de faciliter le déplacement d'un morceau de tissu eh bien, endométrial pour aller n'importe côté, il est capable même arriver dans le poumon, des fois, la science d'où, comme ça, il même arriver dans le cerveau. Ou capable comprendre qu'il y a une fille qui gagne réglé, et puis, qu'on y a là, il va le gagner, c'est comme s'il va le gagner là tout dans ses voies parce que tes gonti morceau tissu qui déplacé qui passait par voie hématogène, il arrivait dans ses voies et que moun sa pral gon tête fait mal enragé. Les moun sa gagner réglé. Il ca privé dans poumon tout pour le bail une complication que nous même parler de lui, c'est pneumothorax cataménial, donc de forte douleur thoracique que moun sa gagner pendant que moun nan gagner réglé. Cinquième groupe de causes qui capable faire fille là, pas capable faire ti moun nan, c'est ça nous relo les anomalies morphologiques. Dans l'anomalie morphologique, il y a deux filles qui fait avec une matrice qui n'est pas normale. Il y a une malformation dans la matrice. La fille a fait avec la matrice, là, oui, mais il y a un problème dans la matrice. Ça, c'est un problème congénital. Il y a des filles qui fait, nous disons que c'est une matrice que nous avons supposé gagner, ça nous dit un utérus, et bien il y a des gens qui ont deux, qui sont capables même aller jusqu'à trois. Et gagne des moun tout dans col matrice là moun nan gagne ou supposé gagne un seul col matrice et ben un seul orifice gagne des moun qui gagne deux orifices. OK, donc dans cas de malformation ça yo et bien non seulement moun sa s'il ta arrive gagne règle la gagne forte douleur et que moun sa a gagne difficulté pour li fait ti moun en dedans matrice là encore l'autre problème qui konn gagne bon problème gagne des problèmes synéchie qui konn gagne dans matrice là. Problème synéchio à savoir de filles qui qu'on fait et de curetage et volontaire
ou li capable d'ou involontaire, ça ne les avortements spontanés, mais comme ça tout dans cas moun qui est enceinte, soit enceinte pour un monde que vous parlez, mais ou bien pour un monde que vous pas enceinte pour lui, ou bien yo toujours pas avancé de en série de causes et que yo l'école, yo pas gain l'argent, yo gain 10, yo gain pile ti moun a fait des avortements, qu'on gain des fois que dans pince y a utilisé ou bien de moun qui aller n'importe où yo pour faire genre de trucs ça yo, et bien qu'on vinn gain ça que l'on synéchie cervical, ça veut dire gon pincement par orifice cervical là pas ouvri, ça yo qu'on vinn fait que spermatozoïde là capable de rentrer. Même si fia lui-même li gagne règle à chaque mois, li ovulé, mais par le fait que spermatozoïde la pas capable de passer monter, gagne un pincement qui fait dans col matrice là, pas gain sécrétion de sanrelo de mucus là qui pour transformer en glaire cervicale et glaire cervicale ça qui pour faciliter la montée des spermatozoïdes, eh bien orifice ça lui-même li rete fermé, l'aile rete fermé, ça vient faire que eh bien moun ça tombé dans tableau d'infertilité. C'est-à-dire ouais, son moun, c'est sanrelo infertilité secondaire là, son moun qui était connu enceinte, moun a été font curetage ou bien deux curetages et que qu'on y a là, par la suite, il n'est pas capable de tomber enceinte encore. Il y a des gens qui ont un sacré lot de synéchie utérine. C'est-à-dire que le versant antérieur est collé avec le versant postérieur. Il y a un sacré lot de synéchie qui est capable total ou bien subtotal. L'aile totale, bon, il y a une possibilité pour les gens enceinte même. Dans le subtotal, il y a une possibilité par hystéroscopie pour nous capables d'élargir et puis nous faire des traitements pour les gens qui balient des hormones qui permettent que l'endomètre est capable de reprendre. Mais dans le total, donc là, si c'est par exemple des cas de tuberculose ou encore après yon curetage et que médecin a été mal fait ou bien avorteur a été mal fait parce que nous même boy ici là moun yo fait des avortements et n'importe où, eh bien l'elle fait n'importe où comme ça, eh bien li vinn bay des problèmes, li vinn fait que eh bien ou moun sa vinn gagner yon accolement de versant antérieur et versant postérieur là, c'est li vinn bay synéchie. Qu'on gagne des moun qui cause problème ça li kon rivé dans des cas après accouchement ou bien après yon avortement. Là en cas d'accouchement, c'est lorsque moun nan te gon hémorragie et que nous faisons une révision utérine pour moun nan qui compte pas camper et que nous continuons faire l'autre manœuvre avec de curettes, eh bien qu'on gagne sacré lot destruction totale de l'endomètre et que ces muscles qui viennent rencontrer ensemble moun nan qu'on vient gagne difficulté pour li enceinte. Ou imaginons des moun qui perdu un petit moun autour de 5 mois et que qu'on y a là nous qui gagne une hémorragie ou bien qui gagne une rétention placentaire et que nous retirer placenta pour lui par la suite comme conséquence, eh bien il vient tomber dans problème synéchie ça moun ça a un problème d'où pour lui faire timoun. L'autre élément qui qu'on arrivé dans comme gros problème qui qu'on gagne dans matrice là, c'est ça nous relo les fibromes là yo, moi t'ai parlé de ça dans émission antérieure là, il est capable responsable eh bien question d'infertilité dans couple là, il fait que fille là pas capable de tomber enceinte par rapport à côté fibromio yo localisé dans matrice là. Et c'est ça que fait nous dire lorsque médecin en dit comme ça et madame ou gagnent des fibromes dans matrice ou, c'est pour poser la question ça pour dire comme ça, est-ce que eh bien et côté fibromes là il est capable empêcher que moi tomber enceinte, est-ce que côté fibromes là il capable fait que même si mon gars mari moi fait bagaille et que grossesse là jamais qu'a venir les ça médecin pour répondre aux questions en fonction de côté fibrome dans lui-même li localisé dans matrice là. Maintenant et combien de fois tout si moi t'ai expliqué que les fibromes dans ta va placer en intracavitaire en sous-muqueux et que li occuper espace côté pour ti moun nan ta capable implanter pour li grandir dans matrice là et que li capable entraîner des avortements. OK, dans cas ça là, c'est des problèmes qui capable exister au niveau matrice là qui viennent faire que fille là li gen problème pour que eh bien grossesse là lui-même li rivé. Maintenant, comme sixième grande cause qui capable faire fille là lui-même li gen problème pour li tomber enceinte, c'est ça nous relo les infections sexuellement transmissibles que nous qu'on parlait de li déjà ici a que nous relé ça le plus souvent des germes tant que chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhée, les mycélium, les mycoplasmes, c'est des germes qui capable endommager ça nous relé trompe la caille fille et vin fait que fille là li gen difficulté pour tomber enceinte. Dans cas de chlamydia qui ça capable fait la caille fille là li kon entraîner un salpingite.
mais le plus souvent son germe li konn pas symptomatique moun nan pa gen problème nous konn vinn découvrir que moun nan souffri de chlamydia c'est lorsque moun nan après 1 an 2 ans de mariage ou bien 3 ans 4 ans de mariage ti moun nan pa jam ka vini et que moun nan vini en consultation mais li di konsa que li pa gen problème douleur li la fait sexe li pa senti vent li a fait mal et que li pa gen de sécrétion li pa bay de perte vaginale et li pa gen aucun signe d'infection la kaeli mais les moun nan vini nan bilan de routine nous mandé sérologie chlamydia ou vinn jwenn que li positif la kaeli moun nan des fois nous kon fait traitement pour moun nan et que moun nan toujou une solution avec problème ça que li gagne et autre chose que j'aime nan kon fait li kon boucher trompe la kaeli fia c'est ça nous parler de obstruction tubaire c'est-à-dire les tromplins les bouchés les, parce que pas oublier moi te prendre le temps pour m'expliquer comment processus ça li fait la caillou et que fécondation li fait dans tromplin les fécondations en fait dans tromplin ça veut dire c'est tromplin c'est lieu de rencontre entre spermatozoïde là et ovocyte là moi dit ovocyte là les libérer au niveau des ovaires et que les vini dans tromplin et puis pour li et rencontrer avec spermatozoïde là pour grossesse ça lui-même l'installer. Eh ben les tromplins bouchés, spermatozoïde là pas capable de rencontrer avec ovocyte là. Attention, fille là capable de régler chaque mois, li ovuler mais obstruction tubaire là vient fait que grossesse là li pas capable installer fille pas capable enceinte. Maintenant, c'est le mounan vient suivre avec yon docteur, avec yon gynécologue, eh bien qui pral bal fait des examens, yon bilan infectieux et par la suite nous toujours capable bande ou ça nrelo yon hystérosalpingographie pour nous évaluer trompe. Ça veut dire que debout ou gen règle chaque mois, règle vini chaque mois c'est un bon signe. OK, ou gen un cycle de 28 jours ou bien de 30 jours ou bien de 32 jours et que ou règle vini chaque mois c'est un bon signe pour t'a dit que probablement ou capable ovuler. Dans période d'ovulation, les filles à la donne, gen de moun qui constaté yon ti liquide que li wè qui paraît dans culotte li et qui pas durer plus que 24 heures de temps, gen de moun tou son ti crassant, yo wè, gen de moun tou c'est des yon ti douleur en bas ti ventre moun nan gagné, des fois qui kon réveiller moun nan dormi, li gen ti douleur qui prend li et que moun nan gen de moun qui gen des signes qui parlant qui dit moun nan li ovuler dans période za la gen ovulation qui fait. Mais gen de moun tou qui pas senti rien. C'est parce que ou pas wè nan yon nan signe sa yo ke msot doula la qui fait que ou pas ovuler. Oui, ou capable ovuler et que ou pas wè ni yon ni l'autre nan signe sa yo parce que chaque fille yon organisme qui différent qui agit qui répond à phénomène physiologique yo de façon différente. Mais maintenant, j'aime ça yo, moi parle de l'IA, ça ne relé chlamydia surtout, li capable faire des dégâts dans trompe la caifia ou bien dans matrice la tout. Li capable occasionner ça ne relé une sorte d'infection endométrite ou bien métrite, c'est une sorte de inflammation qui fait dans matrice la caifia. Ça laisse arriver li capable yon la responsable que fille là pas capable enceinte. Parce que si gen une inflammation en dedans matrice là, même si fille là li ovulé, même si glaire cervicale ta va présent que spermatozoïde ta va gain possibilité pour passer monter mais cavité utérine là li pas apte li pas prêt pour le recevoir et eh bien pour être capable venir implanter là-dedans parce que li gain un processus inflammatoire là-dedans. C'est dire yon processus inflammatoire et c'est même problème ça qui rive tout les nous mettez ça crée yon stérilin pour fille là. Li entre dans processus inflammatoire dans cavité utérine vinn fait que et matrice là vinn pas apte pour recevoir l'œuf fécondé pour implantation de l'œuf li fait dans matrice là pour timoun héberger li là pour le grandir parce que gagne un corps étranger la dedans et bien li entraîner un processus inflammatoire et ce processus inflammatoire li pral vinn fait que li pas approprié lieu ça vinn pas approprié pour un petit monde vinn fait là-dedans. C'est même genre tout les gain infection en tout, il fait même bagaille là. Attention, ce type d'infection, ce germe, il est capable d'entraîner des dégâts non seulement bon côté et fille là, mais bon côté garçon en tout. OK, même genre il capable boucher tromplin la caille fille, gain ça dans le canal déférent la caille garçon en tout qui transporte spermatozoïde là qui sorti à partir des testicules passer dans l'épididyme pour les sortir pour le passer dans pour le sortir dans pénis garçon pour le déposer dans vagin fille, eh bien il conn obstruer canal déférent en tout.
vin fait que garçon pas capable enceinte madame ni c'est ça qui fait les nous joindre les infections sexuellement sexuellement transmissibles ça les ISTO et bien nous fait traitement ni pour fille ni pour garçon mesdames les nous vin voir gynécologue nous il dit nous gagnons une infection ou supposément des gynécologue là est-ce que infection ça et bien on pas capable mari ni ou bien est-ce que c'est pas mari qui ban le tout vice versa yo toujours mesdames yo remen dit que oh c'est mari qui ban mwel c'est lik nan vagabond bon c'est comme si seulement monsieur a konn fè vagabondage en tout cas monsieur pour prendre faire de nous pour te le sous de nous OK en quelque sorte mais ah ou li capable bon même konn dit ça tout li capable c'est ou même qui ban monsieur a tout bon sont dans des autres vous comprenez donc problème nan li ka sorti des deux côtés les gars sont des deux côtés. C'est dire si moi je non j'aime d'accord la média un côté comme une vaginaliste garderie la vaginaliste type de j'aime ça yo la kaifia moi même tout prend le soin pour me faire prescription par monsieur avant. OK? Me toujours demander madame comment m'a relé. OK? Li relé tel gens, me fait prescription par monsieur parce que si me fait prescription pour là avant, me remet tout c'est comme si me finir ensemble avant. Me fait pas monsieur avant et puis après me fait pour là. Parce que faut me tout voir bah monsieur, si me pas traiter monsieur, eh ben c'est laver mais si atte. Et parce que pour cap suivre émission là yo kon tande moi monsieur si me connais monsieur ko ti jan des autres pour dire monsieur gentiment si gon l'autre monde li connaît le kon passer la caille ou bien kon passer bon côté fol bay moun sa médicament tout même kon prend les soins tout pour me dire moun nan tout gen des médicaments ça qui pas bon pour fiancé tout parce que si gen des fiancettes ou pas gen des médicaments ka recevoir gen des médicaments pas ka recevoir. Donc ça veut dire que vous toujours au deal pour le dire monsieur à ça. Gen dans mesdames qui connent river en bourreau sous monsieur pour dire oui, c'est vous-même qui avez une infection et qu'on y a dégagé mes médicaments pour faire pour prendre bah ça et cetera. Sous pas être comme ça sous monsieur là ou gen même médicament elle pas prendre. Et qui ça va bien passer. Ou même on prend médicament pour et puis en après les nous fin bien, nous retourner dans l'affaire nous encore et pour reprendre infection encore. Alors que vous avez un petit monde, ou besoin d'un petit monde, et vous avez un j'aime ça, et bien qui ça l'a fait, l'a empêché de grossesse sa fête. Vous avez qui ça l'a fait encore la caille, monsieur? Non, spermatozoïde là, la caille et garçon, il y a un sacré lot, il y a un flagelle, une sorte de pied, qui pour faire des mouvements, la caille et les river et les déposer dans le vagin pour permettre que le monte. Eh bien, j'aime ça, qui ça l'a fait? Il y a un coupé pied spermatozoïde, ça n'est pas le flagelle là. Ça veut dire que spermatozoïde là il compétent il est capable enceinte fille là mais il est pas capable déplacer pour river côté trompe là. OK pour la rencontrer ovocyte là pour fécondation lui-même il fait. Donc et non seulement il ca boucher canal différent là caille garçon, il ca couper pied spermatozoïde là caille garçon pour faire que garçon pas capable enceinte madame ni. OK? Ça c'est un gemme qui très méchant. OK qui fait partie du groupe de gemmes que nous relais les gemmes et sexuellement transmissibles. Maintenant, et de problème ça yo m'a font un petit enjambement, on t'y toucher monsieur, gen monsieur qui connent gen problème de production de spermatozoïdes. Parce que garçon il produit en quantité de millions de spermatozoïdes chaque jour. Il prend deux mois et demi pour les vivre mature. OK pour le venir correct pour le permettre que il capable en sainte fille. C'est ça que fait c'est chaque jour production il fait pour garçon capable toujours fertile. Nous même dit que un garçon il fertile jusqu'à sa mort. Même s'il a 96 ans. OK parce que les ça si il peignant pas camper mais la science bail nous possibilité puis aller chercher eh bien spermatozoïde là dans testicule lui il est capable transmettre lui la caille fille là pour permettre que il gagne un petit monde. Eh bien mesdames et messieurs dans moun ki gen un genre de problème ça yo dans fi ki gen un genre de problème ça on a parlé m kite monsieur pour l'autre spécialiste Kevin parle de li eh bien gen une solution pour presque chaque problème ki gen nous fait sacré lo les nous identifier ensemble de causes ça yo m classer yo pour en 6 grandes causes. OK traitement li dépend de étiologie qui ça qui responsable problème ça la kaifia. OK? Est-ce que c'est que ces facteurs d'âge là? Si c'est facteur d'âge, eh bien si follicule fille là, il fini. La science bail nous une possibilité dans ça nous relé dans procréation médicale assistée. OK? Li bail nous une possibilité côté que mounza capable joindre un follicule. Si organisme li apte, li prêt pour capable porter ti moun là, eh bien yo capable prendre un follicule et pour faire sacrer une fécondation pour mounza. Ça nous relé une fécondation in vitro. OK, ça dit ça c'est possibilité. Par exemple, mon nan il est en 40, il est en quarantaine, il est en 42, il est en 43, 44.
Donc la science baille possibilité ça pour yo récupérer yon ovocyte quelque part d'autre dans mon l'autre monde, parce qu'il y a des pays côté que le don d'ovocyte et le don de sperme li permis. OK, ça veut dire que les garçons capables albaille et dans des centres bien spécifiques qui là l'albaille en quantité de sperme et la dedans il y a pas les spermatozoïdes que vous mettez là pour monde qui gagne pour garçons qui gagne problème de production de spermatozoïdes et que yo capable joindre pour faire et bien fécondation pour fille là. Ou gagne des monde qui compte même aller jusqu'à yon mère porteuse. C'est dire fille là gagne des problèmes qu'elle gagne. OK, gagne des problèmes qu'elle gagne. Eh bien, il n'est pas capable de faire timoun nan, mais il est capable de choisir, ça c'est dans le côté mounio, la science là, il évolue, et choisir un moun li baye pote petit là pour li. Et ça, il y a les mounzayo, mère porteuse. Bon, là, son sujet de droit, n'a pas gagné l'autre émission pour nous venir avec un juriste, eh bien, pour nous parler de ça. Et que dit et la loi à cet effet? OK? Donc ça a qu'on a créé des problèmes sociaux. Donc mon affine pour tes monnaie, ouais, monnaie tellement belle, bon il va vivre bah il est encore. Donc ça c'est des gros problèmes que lié. Ça c'est des possibilités que la science lui-même lui baille coupe là pour coupe là gain tes monde, parce que gain des filles qui fait sans matrice, mesdames et messieurs. Pas oublier moi dire comme ça que matrice là c'est organe de d'hébergement pour tes monde. Donc si monnaie fait sans matrice, pas gain possibilité pour monde ça gain petite. Je me rappelle une jeune fille qui devine faire une sonographie dans la clinique là, qui a 25 ans, qui a ménage, li, tout ça, etc. Et que, mais elle n'a jamais eu de règle. Elle a 25 ans, elle n'a jamais eu de règle. Et puis, elle vient faire sonographie. Et puis, je me rappelle que la fille a gagné sa crêle, un syndrome de Rokitansky-Koster-Rosser. C'est-à-dire que elle fait sans matrice là, elle a un petit mignon, ça n'est pas le petit col matrice là seulement. Donc, pas de possibilité pour le monde de faire petit. L'iné stérile, pas de possibilité pour le faire petit monde. Donc, quand il y a des couples comme ça, donc les garçons, ouais, la loi, mais madame, elle est gynécologue, lui-même, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, madame Naye, eh bien, quand il y a là, qui ça le fait, lui, ils ont choisi une mère porteuse. Donc, pour le monde est capable de faire petit monde. Ça veut dire que c'est la science qui baille possibilité ça yo pour que le monde, eh bien, lui, gagne petit monde. Maintenant, dans le cas de question de trouble hormonal, eh bien, nous cherchons qu'on écoute le trouble hormonal, nous faisons une correction. Il y a des médicaments hormonaux qui sont là pour ça, pour nous corriger le problème ça pour nous. Quand il y a des gens qui font 3 mois, 4 mois, 9 mois, ils n'ont pas de régio, eh bien, les gens viennent joindre nous, nous avons des molécules, nous sommes capables d'offrir les gens pour nous permettre que les règles retournent à la caille et que les gens viennent gagner les gens. Il y a un pile patient qui est capable de témoigner de ça et que il y a un problème comme ça et que il vient ouais médecin et que problème là il vient résoudre. Dans cas monde qui a un problème infection yo et que nous baï monde des traitements et que nous aider monde là et puis traitement vient fait et que tout de suite après dans un mois dans 2 mois qui suivent traitement et que monde là compte tout enceinte. Il y a un test nous qu'on aimerait demander pour monde faire et pour nous garder évaluer ça ne les trompe la caïfia. Eh bien, laisse ça fait qui s'écrivait, nous fait évaluation hein, et par un examen qui est l'hystérosalpingographie. Les d'abord nous visé de diagnostic, lui permettre que nous ait trompe plan, soit lui obstruer, soit le boucher ou pas. Mais les connes des fois tout et tout gain possibilité pour nettoyer trompe plan. Fi la conne fin réaliser test là seulement et puis le mois qui suit, lui tomber enceinte. OK, li tombé enceinte parce que gagne un produit que injecté la donne pour évaluer ton plan, qu'on gagne petit obstacle partiel qui gagne dans ton plan, li tout à lavel. Et que mon tout tombé enceinte. Mais gagne un patient près là qui gagne environ 22 semaines de grossesse. OK, il était fait dans 2 ans de cela, il était fait hystérosalpingographie à ton plan débouché. Moi dit bon, depuis venir moi là, n'a pas recommencé processus là. Fait comme sous votre confrère, n'a pas recommencé processus là. Moi voyez là le refait et examen hein? Et puis il était un problème chlamydia, moi traité chlamydia à bouli, un mois après dame tombé enceinte. Et voilà. Donc c'est des problèmes qui existaient ou qu'on chita ou tant ti moun nan pour venir, li pa venir mais et pourtant médecine nan capable aider. C'est ça que fait nous dire, c'est le couple qui doit venir en consultation.
Il y a des mesdames qui ont monsieur tellement réticent, ils ont pas avalé à l'ouest docteur, ils ont déplacé, ils ont venu pour compte. Mais même qui ça me connait fait, m'baille mon nom et prescription pour le bail monsieur pour au moins monsieur a fait un spermatozoïde parce que un spermogramme, excusez. Nous voyez pour monsieur a fait un spermogramme qui va permettre que moi évaluer quantité de spermatozoïde que l'y éjaculé, est-ce que l'est suffisant pour permettre que madame ni l'y enceinte. Des fois problème non qu'on la caille monsieur qui pas grave, des médicaments très simples nous qu'on baille mon et puis qui résout problème. Nous va permettre que ou relé ou poser et question dans émission hein? Et nous va le bon numéro pour relé pour capable poser question. Donc il y a un numéro local et puis numéro monde qui dans international là ou capable et utiliser pour nous permettre que ou poser question. Numéro ou capable composer local 47 79 70 122 ou bien 43 32 22 22 dans international là 617 642 30 99 617 642 30 99 ça c'est numéro ou capable utiliser pour nous ou capable poser question après pour nous là parce que maintenant nous avons parlé de infertilité surtout dans cas de fertilité féminine et surtout nous est causio beaucoup de mesdames yo on va venir avec un autre spécialiste un urologue pour nous parler de infertilité masculine. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour madame. Ma petite émission à radio. Ma petite pour émission. Oui oui. Moi à vivre ensemble avec Marie, nous gain problème nous pour faire du monde. Combien de temps nous gain? Nous gain 1 an de mariage. Exactement, c'est ça la médecine. Nous de vous gain 1 an dans caille là où grossesse là pas venir. Médecin dit et monsieur a gain est suffisant. Sperme, et puis il y a varicocèle. Ok. Qui grade varicocèle là? Si je ne me trompe pas, c'est lui qui vient dans le grade 3. Ah ouais, si l'un grade 3, c'est opéré là pour opérer. Ok. Donc, merci pour participation. Parce que participer avec nous dans Chora maintenant là donc yon auditrice qui relait et que problème n'a pas bon côté parle c'est bon côté mari lié avec yon varicocèle. Varicocèle là elle est capable grade 1 grade 2 grade 3 jusqu'à grade 4 mais 3 avec 4 c'est opéré pour moun opéré n'a pas l'autre moun sous 22 hein? Oui allô bonjour. Allô bonjour docteur. Bonjour madame. Oui on est sommes dans le projet. Et font-ils si déplacer côté hier, les bails ont un problème beaucoup de pardon. Comme ça agile là. Est-ce que ça va cause mon problème? Et qui soit dit m'a bien saisi soit dit. Ce problème mon à consommer comme si à consommer ça agile nous le peine là oui. Est-ce que ça cause mon pas consommer en fait. Examen au fait dans la rue. Non, agile, c'est ça aussi. Non, c'est pas une bonne chose. Et m'a pas trop rappelé non, mais il est capable de gagner des problèmes sur ça, mais m'a pas trop rappelé, mais c'est pas une bonne chose, on va pas manger terre. Donc ça c'est pas grave, ça son maladie que lié. Donc on va venir avec un spécialiste qui va parler de ça. Ça son maladie, moun k'ap manger terre ou gagne bagaille qu'on manque ou gagne des vitamines qu'on manque. OK? Mais c'est pas normal pour moun k'ap manger agile ou k'ap manger terre fait pour faire l'autre bagaille. Oui, allô bonjour. OK, n'a pas l'autre monde, ça bien là, il va parler, n'a pas l'autre monde. Oui, allô bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, s'il vous plaît, entrez dans ma chambre. Oui, j'ai un cousin moi qui était alors il est marié, il est arrivé enceinte. Mais suite à ça, il y a que mari t'a sorti son motocyclette, il fait un accident, mais il était gagné en 2 mois. Et pendant cet accident, donc et lui venait quand le docteur l'a fait en sonographie. Là, il fait sonore, le docteur a dit que alors j'aime la mourir. Mais quand il y a le docteur a dit qu'il faut qu'il m'essaye parce qu'elle n'est pas bon pour lui. Depuis 2 semaines, après 2 semaines, il était comme ça, lui, elle a un sang qui était sur lui. Mais quand il y a lui, pourquoi retourner quand le docteur a quand il y a pas de est-ce qu'il y a une possibilité pour que pendant ça, il y ait sous lui là, pour que j'aime la tomber. Bah oui, il y a possibilité pour le tomber. Il y a possibilité pour le tomber. Le salon et les grossesses arrêtées, donc il y a possibilité pour les tomber. Donc le salon libéral fait sonographie encore, qui dit que est-ce que l'utérus là lui-même est vide.
OK. Faut qu'il refasse sonographie. OK. D'accord. Merci pour participation. D'accord. On prend l'autre monde. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, Doc. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame Navalé. Mm-hmm. Allô, bonjour, docteur. Bonjour, madame. Oui, je me dis trois hommes et nous pouvons nous enfoncer. Ah oui, ça l'aime d'aller et là, je suis peut-être bien, vous mangez, je me dis qui est là, vous allez me dire, ah oui, ça me vient en forme. Après, il va me faire mon gambou marine. Ah oui, ça tout. Tout qualité qu'on connaît comme n'y a là dedans normal mais seulement quantité spermatozoïde là il faible. OK. Ah ben bon et là simplement elle suit avec un urologue et puis il y a bal médicament. Et puis ça marche. Merci. D'accord merci beaucoup. OK. Merci pour participation. Moi même mon ça relé là nous voit que problème n'a pas existé seulement bon côté fille hein, mais il est capable d'exister bon côté et garçon en tout. Allô bonjour. Allô. Oui bonjour. Bonjour, docteur. Le téléphone n'a plus fait bouchou. Bon, là, on a des difficultés. On prend l'autre monde. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Non, quand tout est fini, on prend l'autre monde. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oui, je vais vous montrer mon canal. Oui. Non, là, ou gen ti problème. Ou gen ti problème, faut qu'on voit un gynécologue, t'entendez? Oui, mais plus gros problème, c'est parce que mon Dieu est infection. D'accord. Merci pour participation. OK. Donc moun sa la et problème ou gen la, faut qu'ou un gynécologue. Lè ou gen problème infection, ou gen des médecins qui pas capable résoudre problème nan pou ou non. C'est des problèmes qui gen rapport avec la gynécologie. Donc son gynécologue pou si son généraliste ou problème nan pas résoudre dans pou moun international là pour fini. Oui, allô bonjour. Oui, allô bonjour. Bonjour monsieur. Oui, moi pas connaissance pour ce que vous avez par rapport à moi. Ah, eh bien, ok. Ou maintenant, on va appeler après. Ok? Ma bon numéro, on va appeler pour qu'on y a la main pour qu'on brûle pour nous en bas. D'accord. Donc, merci tout le monde. Moi, chef Lavine, là, ça veut dire que je suis fini. Je ne vais pas prendre mon nom. C'est d'ailleurs, je vais mettre dans le studio. Hein? Donc, oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Ma côté, au début, gros cheval. Information. Gros cheval, côté, dans qui zone? Dans qui zone? Pour forêt d'épée. Ah, forêt d'épée, ok. Je ne sais pas ça. Il y a une information maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que si on a un contact à l'aide, ça a un problème pour pas je m'en ça a arrivé, je vais expliquer ça là dans le choix. Vous pouvez suivre l'émission? Hein? Oui, moi, je suis sûr que ça se pose des questions. Est-ce que n'y a aucun moyen qui a fait pour ça? Oui, mon la pour la loi en gynécologue si il y a problème pour ça parce que qui ça qu'on rivé merci pour participation les arrivé pas cap bon mon encore mon capsonné donc qui ça qu'on rivé dans le ça c'est un déplacement de morceau de tissu endométrial qui qu'on a le fait d'aller dans ouvert la caille fille vient faire que fille pas capable ovuler. OK, il doit aller dans tromplant tout, il boucher tromplant, il est beaucoup plus grave que pour moun qui a un problème ça qui aller dans tromplant. OK, à savoir qu'on y a là et c'est tissu endométrial qui bouche trompe moun ça, c'est trompe ça qui est difficile pour des obstructions lui-même li fait. Donc c'est ça qui fait nous pas conseiller moun et puis il facilite infection la caille fille à tout les filles là a fait sexe avec règle li pas bon parce que pH vaginal l'a changé donc la vie basique et ça c'est problème la entraîner la facilité infection la caille fille. Donc mesdames et messieurs, merci parce que nous t'a suivre émission Santé Pam avec docteur Franche qui passait sur antenne Radio Télé Shalom chaque vendredi matin sorti dans 7h pour arriver 8h depuis où l'heure ça arrivé et eh bien c'est l'heure côté que ou gagne consultation gratuite si chérie. Mais si vous venez
sou fin branché kounya la ou rater émission hein, mais gen possibilité pour tande émission encore pour suivre émission. Ou capable aller sur docteur tout côté ou joindre émission, ou capable aller sur YouTube tout également sur sur Shalom ou joindre émission ça encore ou gain possibilité pour étendre. Le docteur tout côté a écrit D O K T T E T O U T et puis C O T E docteur tout côté. Donc ou joindre émission ça et eh bien encore pour étendre les pour capable joindre des informations qui permettent ou vivre mieux. Si vous voulez contacter docteur Franche, vous pouvez composer le 37 12 49 98 37 12 49 98. Ça c'est numéro PAM ou capable écrire ou capable écrire SMS ou capable écrire sur WhatsApp ou joindre réponse là quand même. Il prend un petit temps mais chaque soir avant de dormir, moi vérifier tout message et moi envoyer réponse by moun yo. Merci tout le monde qui t'a suivi émission ça. Donc assez rendez-vous pour vendredi prochain. Chaque jour est une vie. Travaillons à la beauté des choses. Vendredi des nouvelles. Bye bye tout le monde. Gardez-moi là toujours. Gardez-moi là toujours. Valè misè ou passé, gade ou la toujours. Oui, ou konon la toujours, mais ou d'accord, c'est pas cause pa ou. L'amour passé près, maladie passé près, mais grâce à Dieu la toujours. Si c'est pour bon Dieu, si c'est force bon Dieu, toujours être branché sur Radio Télé Shalom, car tout pour le pays l'amour, pour bon message, Télé Shalom. Sous sa toi tristé, ou besoin de bonne musique évangélique pour lever ou Télé Shalom. Moi-même, quelque à côté, mais sous la terre, dans Internet, radio, télévision, radio, Télé Shalom. Tout le temps, radio, Télé Shalom, radio, l'église là. Télé Shalom, Télé l'église. Gardez-la toujours. Comment allez-vous? Je suis Maritza Medjine-Pierre et je suis toujours branchée sur la radio Télé Shalom parce que c'est là que mon âme est bénie. Faites comme moi, branchez la radio Télé Shalom. Shalom, shalom. Comment maman m'rele? Comment papa m'rele? Mais comment m'rele? Comment m'rele encore? Comment m'rele encore? Dis comment m'rele? Dis comment m'rele? Levez-moi. Mais comment m'rele? Donc, amène la photo à monsieur. Mais comment m'rele? Comment m'rele encore? Comment je m'appelle? Levez-vous, soleil a baissé. Mais comment relancer encore? Le succès de mon pays, le succès d'Haïti, le succès de mon pays. Comment élève ça relé?
marchand de gloire, petit marchand de café, petit marchand de café, petit marchand de pâté, petit marchand de pâté, petit marchand de l'équin, un marchand de l'eau, petit marchand de l'eau. Les hommes gardent petit marchand de loi, les hommes gardent petit marchand de loi, les hommes gardent petit marchand de loi, les hommes gardent petit marchand de café, les hommes gardent voilà moi. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Ils ont parfois été critiqués, ils ont parfois été confrontés aux échecs, mais ils ont persévéré, ils ont tout donné, et ont fini par réussir. Ils ont assumé ce qui était important pour eux, c'est ce qui fait qu'ils sont des héros. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. Et peut-être tu te demandes comment en rencontrer. J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce dont elle est capable. Elle a toutes les qualités d'un héros, mais une petite voix en elle lui affirme le contraire. Abandonne, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Ces murmures entraînent les doutes. Ces doutes se transforment en une histoire que la personne finit par croire. Et l'histoire crée l'excuse parfaite pour abandonner. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui dit que tout ça c'est faux. Au fond d'elle subsiste une flamme qui lui fait sentir que ses rêves sont encore possibles. Cette histoire, c'est la tienne. Cette personne, c'est toi, c'est moi, c'est en fait chacun d'entre nous. Nous avons tous cette flamme qui nous demande de vivre ce qui nous inspire. Il y a 13 ans, je me trouvais nul, inintéressant. J'avais l'impression que ceux qui réussissaient, réussissaient dû à la chance ou à des qualités de naissance. Je me disais, David, laisse tomber. T'auras jamais le couple que tu désires, le job de tes rêves, l'argent, la santé. T'auras jamais confiance en toi. Tu sauras jamais parler aux inconnus, et encore moins en public. Ce jour-là, je suis tombé sur une vidéo. J'ai vu un homme oser vivre ce qui l'inspire. Et j'ai réalisé que ça devait changer. J'en ai eu marre de m'abandonner, marre de ne pas oser. Et j'ai pris une décision, celle de m'honorer, de tout donner pour vivre la vie qui m'inspire. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et que tu as laissé tomber? Je sais que parfois les choses ne se passent pas exactement comme on le désire. Certains abandonnent et finissent par grignoter encore et encore. Ce n'est pas de cette nourriture dont ils ont besoin. D'autres veulent oublier en regardant la télé. Mais cela n'éteindra pas leur besoin de vivre ce qui les inspire. Peut-être que tu te dis, oui mais je suis fatigué, j'ai déjà essayé, j'en suis pas capable. C'est des conneries ça, c'est des conneries que la peur te murmure, et tu oses le croire. Combien de temps encore vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite? De quelle catégorie fais-tu partie? De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur? Ou de ceux qui écoutent une autre petite voix, plus discrète? Cette deuxième voix qui nous murmure, tu peux y arriver, donne tout, tu seras fier de toi. Je sais qu'il existe une partie de toi qui sent qu'elle peut accomplir plus, être plus, donner plus. Tu sais, il existe deux catégories de personnes. Ceux qui pensent que réussir est une question de chance, de prédisposition. Et ceux qui savent que réussir, c'est continuer malgré l'adversité et les difficultés. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Et il finit par y arriver, simplement parce qu'il se relève et continue encore et encore. Si tu n'as pas la vie que tu veux, il ne s'agit pas de s'en vouloir. Il s'agit de se prendre soi-même par la main, mettre les doutes de côté et oser te mettre en route pour ce qui t'inspire. Faire des erreurs, apprendre, recommencer. C'est fini de laisser la peur dicter ta vie. Fini de se critiquer, fini de se plaindre, fini de croire que tu n'es pas capable. Tu es capable, tu as du potentiel, des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais ce qu'on en fait. J'entends trop souvent dans mes séminaires, mais c'est dur, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Oui, c'est dur, mais c'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. C'est dur de s'abandonner. Pourquoi certaines personnes attendent une maladie, une séparation, un événement douloureux pour commencer à miser sur eux-mêmes, pour décider de tout donner? Imagine cette version de toi en train de vivre ce qui est important pour toi. Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture, on s'en fout de ça. Le rêve de la petite fille, du petit garçon en toi. À toi maintenant de la transformer en réalité, en agissant. Ose partir faire ce voyage, ose plus t'exprimer, ose enfin dire à tes proches combien ils sont importants pour toi, combien tu les aimes, ose prendre ces cours de dessin, de musique, de sport,
S'il le faut, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber et relève-toi. Avance, donne tout. C'est ça s'entraîner pour réussir. Prends la décision maintenant de tout donner. Se sentir mal, c'est une décision. Ne rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Ne pas agir aujourd'hui pour tes rêves, c'est une décision. Tout le monde peut se sentir bien quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand tout marche. Mais le héros décide que quoi qu'il arrive, il avance. Quoi qu'il arrive, il se relève. Quoi qu'il arrive, il donne tout. Peu importe les obstacles, continue. Relève-toi, persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler ce héros en toi. Il y a un lion, une lionne, quelqu'un prêt à se dépasser, quelqu'un prêt à vivre enfin ce qu'il inspire. Quand tu es frustré, que c'est dur, que tu es fatigué et que tu finis par te relever, c'est là que l'histoire du héros commence, c'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es la hauteur, bien sûr que tu es capable, bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir ce feu en toi, toute cette force, ce courage. Et rappelle-toi d'où tu pars. Si tu vas laisser tes peurs dicter ta vie, si tu vas laisser les autres choisir ton destin, si tu vas laisser les difficultés t'arrêter, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'on te critique, que tu échoues, et alors? Deviens ce héros qui se dit, peu importe les peurs, les critiques, je donnerai tout. Peu importe les échecs, les erreurs, je donnerai tout. Peu importe le temps que ça prendra, je donnerai tout. Alors tu te dis peut-être, oui ça m'inspire, j'y réfléchirai demain. Mais demain il y aura quoi? Il n'y aura jamais d'autre meilleur moment que maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ton jour. Ta vie, elle se joue maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour être fier de toi ce soir? Derrière chaque peur que l'on traverse, il y a le nouveau nous, fier de lui, inspirant. Tu sais, 13 ans après, je réalise ce que j'ai accompli, qui je suis devenu. Et c'est plus que ce que j'imaginais possible. Je suis heureux de mon couple, ma famille, ma carrière, ma santé. J'ai rencontré mes héros, j'ai réalisé mes rêves. Et c'est possible pour toi aussi. Personne au monde, aucun ami, aucun parent, aucun coach, aucun professeur ne peut transformer ta vie à ta place. Mets tes chaussures, va courir. Fais cet appel téléphonique qui te fait peur. Fais ce premier pas que tu as trop reporté. À partir du moment où tous les jours tu avances, c'est une évidence que tu vas réussir. Et si c'est toujours pas assez pour toi, alors fais-le pour la personne à qui tu tiens le plus. Fais-le pour tes enfants, ton frère, ta sœur. Fais-le pour cet enfant en toi qui avait des rêves. Quand le pourquoi est suffisamment fort, quand il est plus grand que la peur, alors on trouve l'énergie pour le comment. Prends cette décision. Oui, je vais vivre la vie que je mérite. Oui, je suis prêt à m'honorer. Oui, je suis prêt à tout donner. Tout donner maintenant. Maintenant. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. D'ailleurs, chaque jour, dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a le potentiel d'en être un. Il lui suffit de saisir sa chance, de faire un premier pas. Un premier pas. Comment on relève? Succès.
Madame, monsieur, bonjour, bonjour Port-au-Prince, bonjour Haïti, bonjour le monde entier. Moi, content de retrouver dans le ça exactement 8h du matin. Bonjour, bonjour le monde entier, bonjour le monde entier, bonjour le monde entier, bonjour le monde entier, bonjour le monde entier. Bonjour succès mio, bonjour succès mio, bonjour tout succès mio, bonjour tout succès mio. Que succès social, que succès spirituel yo, me salue nous matin. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi connais que en Asie qu'on est la même, des côtés en Afrique là, il fait exactement 8h du soir. Eh ben nous saluer tout le monde qu'en Asie, qu'en Amérique, qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord, Amérique du Sud, qu'en dans les Caraïbes. Shalom. Bonjour tout le monde.